Bon, écoutez, ça se passe plutôt bien. La Turquie, c'était un très beau pays avec, avec un très bon championnat compétitif. Malheureusement, avec mon club de Bursaspor, on n'a pas réussi à faire une bonne saison. On avait comme ambition de finir dans le top 5. Malheureusement, là, on est en bas de tableau. On avait bien commencé à la trêve, on était justement 5e. Malheureusement, on n'a pas pu enchaîner les victoires en 2017. Et là, on se trouve dans une posture assez, assez compliquée. Mais sinon, ça, Dieu merci, ça se passe très bien sur le plan personnel. Je fais une saison intéressante. Comme je disais, il y a des bons joueurs. Des joueurs quand même qui ont la trentaine, qui ont assez d'expérience. Il y a des anciennes gloires du football européen qui viennent en Turquie pour finir leur carrière, mais qui sont encore compétitifs, comme Schneider, Podolski ou Van Persie. Donc le championnat reste relevé. Les Turcs sont des très bons joueurs également. Donc non, le championnat est intéressant. Dommage qu'on ne le voit pas régulièrement en Europe ou en Afrique. Mais le championnat reste intéressant. Non, pas du tout, parce que moi je suis parti à l'AS Roma, j'avais 20 ans, j'étais très jeune, donc j'ai pas eu beaucoup de temps de jeu. Forcément, il y avait d'autres attentes, d'autres espoirs placés en moi durant ma carrière. J'aurais pu prétendre à mieux, mais bon, malheureusement une carrière est faite de haut et de bas. Mais malgré tout, je suis fier de ce que j'ai accompli. Et voilà, Bursaspor reste un bon club. Voilà, j'ai aussi joué quand même dans des très bons clubs. J'ai côtoyé des grands joueurs. Donc voilà, moi je crois, vous savez, je crois beaucoup au destin. Donc voilà, je suis fier de ce que j'ai accompli. Et puis voilà, c'est la carrière qui a été dessinée pour moi. Donc je n'ai aucun regret là-dessus.